Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo découverte sur le jeu qui s'appelle CRSED, anciennement appelé Cuisine Royale, maintenant ça s'appelle CRSED. Voilà. Je suis aujourd'hui accompagné de Fugu qui joue pour une de ses premières fois sur le jeu. Yes, yes, yes. Donc là c'est notre deuxième partie en fait officiellement. Donc là on est sur une nouvelle map. Encore une nouvelle map. Un peu plus dans le désert. Donc ils ont changé le nom du jeu pour lui rendre un peu un aspect, je sais pas, renouveau. En fait, à la base, c'était la guerre mondiale. Maintenant, c'est sur le temps moderne, on va dire. Toujours avec des anciennes armes, bien sûr. C'est ce qui fait son charme du jeu. Tac. Du coup, le jeu est gratuit sur Steam. Donc, si vous voulez jouer, bah, c'est gratuit. Oh, bien le jackpack. Voilà, donc là, vous voyez, le jeu est toujours un peu foufou. Dans la partie d'avant, on est mort par un sabre laser. Maintenant, notre ami a un jetpack. Vas-y, utilise-le un peu pour voir. Ils ont pas animé les flammes. On voit pas les flammes. Ah, moi je les vois les flammes. Putain. Non. Vas-y, on va dans la ville. Ah, bah attends, j'ai pas d'armes. T'es rigolo. Bah oui, justement, il faut qu'on aille dans la ville pour les armes. Hop, un colt, un chargeur de colt. Donc là, pour cette map là, eh ben, regardez, la zone est très petite. On est déjà sur une zone très très petite. Donc, 30 joueurs. Ah, attends. Vas-y, je peux te le ping et tout, s'il faut. Ping quoi? Ah putain. Oh, ça a tiré, ça a tiré, ça a tiré. Derrière nous, j'ai un x6. J'ai un x6. Donc, vous voyez que le jeu est magnifique. Hein, il est juste. Non, viens, moi j'ai pas d'arme, j'ai qu'un colt, hein, t'es fou. On va pas aller spotter quelqu'un qui a un buzz. Ah, en fait, non, la touche C, t'as vu, tu peux utiliser tout le temps. Pour sprinter. Ah, regarde, il y a une échelle. Putain. Ah, l'autre, avec son jetpack, il fait le malin. Ah, oui, c'est bon, je suis en jetpack, mais il a bientôt plus d'essence. Hein. Ah, il y a de l'essence et tout. Ouais. Ah, il y a un coffre, il y a un frigo là par terre. Mais bro, c'est quoi ça? Je suis dans une maison, il n'y a pas d'armes. C'est quoi cette loot? J'ai trouvé du stuff, j'ai un casque de SWAT si tu veux. Des épaulières et tout. Je sais pas, je peux pas te les pointer, par contre je sais pas c'est quoi la touche pour pointer. Y? Ah si là. Ah, je vais pointer. Oh. J'arrive. Un Beretta. Oh là là, j'ai une MP40. Oh mon boy. J'ai un Beretta M38. Mon boy, j'ai une M40. C'est bon pour toi? C'est moi. Par contre, c'est vrai que si. si t'as un viseur, je suis preneur. Parce ouais, que... j'en ai un, mais c'est pour moi. Pute. Y'a un car ici, car 98. Ouais, mais j'en ai déjà un, tu vois, j'en ai trouvé un aussi. J'ai un x6, mais ça c'est pour moi. Bah ça tire, hein, ça tire. Ouais, prends. Tu veux qu'on y aille? Ah, ouais, t'es. Bon, niveau munitions, je suis pas ouf, hein. En plus, c'était 5 balles de car. Il y a genre 40 ou 50 armes différentes dans le jeu, donc du coup, c'est un peu compliqué. Par contre, tu vois, avoir la mire sur la MP40, ça me gêne pas. Ah, y a aussi un système de points d'âme en fait, plus on tue, plus on a des âmes, et puis on peut utiliser nos pouvoirs magiques. Faut qu'on est en zone, qu'on n'est pas en zone. Qu'on a des pouvoirs magiques aussi dans le jeu. Oh, un temple aztèque, coche. Ouais, donc ça. Dans la deuxième, parce que là, c'est la troisième version du jeu, la deuxième version du jeu, il a mis la Normandie avec les temples aztèques au milieu et les villages qu'on voit derrière. Mélange Mexique. Il y a un bunker juste là. Il a été fouillé ou pas? Fusil à pompe, il y a un fusil à pompe. Oh, j'ai envie de tirer. Voilà. Oh, on s'est pris une balle. Il est où? Là, dans la voiture en face. Non, il est...
Là-bas, là-bas, là-bas. Putain, mec, tu l'as pas vu. Fais gaffe à toi, fais gaffe à toi. Couvre-toi, couvre-toi. Il est dans l'eau. Et t'en as un juste à côté du temple Anka. Fais gaffe. Faut que j'arrive à 13. Mais d'où il tire dessus? Le temple Anka, je t'ai dit. Attends, mais je peux. Non, mais je peux 13 normalement. Je peux 13. Non, faut que je ramasse ton cœur. Ouais, j'ai ramassé ton cœur. Attention, il trush. Attends, il se fait engage? Ici, il se fait engage? Ah ouais, il y a des teams. Faut que j'aille là-bas, il y a. Tu sais, Thérèse? Le mec, il se fait engage. Ah ouais, il est là. J'arrive pas à le viser. Je vais voir, j'ai jamais reste quelqu'un, je vais voir comment ça fonctionne, si j'y arrive. Ouais, je me fais snipe. Il est nord, plein nord, il est plein nord. Fais gaffe. Il est où le feu de camp? Merci. Ok. Ah, si tu pouvais me laisser les trucs qui se trompent. Alors, par contre, je sais pas où on me snipait, mais. Il était plein nord, le monsieur. Ah, c'est vrai que là, par contre, j'aimerais bien avoir un peu d'équipement. Ah, il est là, je l'ai devant lui. À droite, à droite, à droite. Attends, non, ça c'est dégueulasse, mec. Bon, je l'ai eu. Il y a du stuff là. Si tu peux me le laisser? Parce que t'es un peu bien équipé, quoi. J'ai plus de mission, je suis à zéro. Comment on fait pour les munitions? Je crois que tu les loues par terre, hein, avec les ennemis. Je suis à zéro. Regarde si t'as pas des chargeurs de M38, s'il te plaît. Ouais, M38. Ouais, s'il te plaît, ouais. Parce qu'il faut savoir que quand tu recharges, il recharge le... C'est réaliste en fait, il recharge le chargeur. C'est-à-dire que si t'as un chargeur de 10 balles et un chargeur de 12 balles, ils vont pas cumuler les deux. Donc faut faire attention à ça. C'est super chiant. Tu vois là, par contre, il me reste un chargeur de 1 balle et un chargeur de 7 balles. Alors attends, faut juste que j'équipe mon... Hop. T'as de quoi manger, c'est bon. Comment on fait pour... Pour changer, j'ai un viseur x35, si tu veux. x35. J'ai un viseur en dessous. Ouais, x3,5. Ah, 3,5. Et si tu veux, j'ai un viseur sur le dessus et un viseur en dessous. Ah, t'as vu, GG. Prenez en zone, viens, on va en zone. Attends, je recharge mon Beretta M38, parce que j'ai aussi un Beretta M38. Hein. Mon pistolet, j'ai un Mauser C96. J'ai pas de pistolet. Ah, vu que j'ai le nombre de très peu de balles que j'ai. Il y a une ville abandonnée à gauche, mais on est pas dans la zone avec. On peut rentrer dans l'une des maisons, hein. C'est magnifique, en tout cas les décors sont magnifiques. Il y a un couteau, je sais pas si... Alors dans toutes les maisons, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un grenier. Donc c'est-à-dire qu'il y a une trappe que tu peux ouvrir et monter dedans. C'était loot, je crois, ici. C'était bah, loot. Mon avis aussi. Hein. Il y a une trappe ici.
Faudra qu'on trouve un frigo. Avec les balles qu'on a, on va pas aller loin. T'as niveau au shot. Ah, j'ai déjà un kit de secours. Ouais, c'est pour moi, ça va charger le machin. Ça tire très très proche. Hein. Ah, on est plus que 13, hein. La zone est toute petite. Et on va se faire défense, on a pas d'armes. Moi aussi, j'ai des armes. Espèce d'armes. J'ai chargeur d'M38, t'as plus. Hein. J'en ai plus qu'un, il est pour moi. Ah, t'es une M38 aussi? Bah oui, oui. Oh là là, ça tire plein sud-ouest hein. Oh, c'est des lance-grenades qu'ils ont, non, on va dire. Donc quitte à mourir hein. Quitte à mourir, autant mourir. Bah, il y a un frigo blanc en bas. Oh, fais gaffe hein. Ça tirait plein ici. Oh, il faut y aller maintenant. Petit sac, ouais. Y'a rien de ouf, y'a rien. Non, intéressant. Et bah, quel suspense. Par contre, y'a vraiment le niveau loot, c'est vrai que c'est pas ouf. J'aurais pu multiplier un petit peu. Ça, sur notre map, j'avais l'impression qu'il y avait plus de loot. C'est un truc de fou. Ouais. Une voiture, là, pack d'explosifs, je le prends. Ça a été looté, la voiture est en train de fumer. Ça y est, je t'ai mis une armure par terre, niveau 2. Oh. Faut que je change la touche là pour pointer. Là. Ah, mais j'avais déjà une T2 sur moi, très bien. Oula! Oh, wow, wow. Oh, où ça? Je sais pas, mais c'était tout proche. Hein. Il est chiant ce colibri, putain! Là! Plein ouest! Plein ouest, il y en a un! Là, en haut, là, ici, là! Là! Il y en a un qui saute avec des grandes, il doit avoir des choses. Des chaussures de lapin. Il t'a touché, non? J'ai cru voir un hit. Faut faire gaffe. Il faut vraiment attendre. Je sais pas si j'ai le temps de changer une touche. La touche pour... Derrière nous. Il est mort. Bah oui, non mais forcément, ils sont où là? Derrière nous. Alors comment on fait pour utiliser le medikit? Parce que j'ai un auto-revive normalement. Putain, je suis mort. Comment on fait pour utiliser... Je sais pas, F, essaye F. Oh, je l'ai kill. Il a eu le kill. J'ai eu le kill énorme. En tout cas, ça se termine très bien comme ça. Je sais pas si on peut se mettre en spectateur. Non, on peut pas. Ok, très bien. Et ben, c'était une petite vidéo de découverte sur ce nouveau, cette nouvelle version de Cuisine Royale qui s'appelle maintenant CRSED. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir ma chaîne Twitch. C'est là que je fais beaucoup de choses maintenant là-bas. Et puis, à partir de demain, bah, il y a le. Et je vais faire un let's play de Cyberpunk 2077. Donc, je suis sur Instagram, tous les réseaux sociaux, Twitch, machin truc. Voilà. Faites le nécessaire si vous le souhaitez pour me soutenir. Ça fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on se dit, banzai!